L'histoire du Claude, dit le vieil élastique. Pourquoi me direz-vous, ce surnom lui colle? C'est quand il se réveille, il s'étend, et il pète. Là est bien son seul défaut, à part qu'il s'endort plus souvent qu'il ne faut. Je ne savais qu'offrir à mon ami pompier, alors j'ai opté pour des pompes à ses pieds, afin de stopper le supplice des gaïchas que la mise lui inflige en chaussant en 33. Quand il rentre des calendriers, il bâtit une œuvre architecturale. Il sait plus vraiment s'il est facteur ou pompier, alors il devient le pompier cheval. Change une bouche d'égout en mosquée de Médine, paraît que vu du ciel ça ressemble à une pine. Paraît que vu du ciel ça ressemble à une pine. Une pine. Je ne savais qu'offrir à mon ami pompier, alors j'ai opté pour les pompes à ses pieds, afin de stopper le supplice des gaïchas que la mise lui inflige en chaussant en 33. Il aurait pu devenir flic ou bien plombier, mais il a choisi le métier de pompier, car depuis tout petit on lui a expliqué qu'il pourrait sauver le chat des mémés. Manque de bol, il est allergique, à la vue d'un chat, ça devient folklorique. Je ne savais qu'offrir à mon ami pompier, alors j'ai opté pour des pompes à ses pieds, afin de stopper le supplice des gaïchas que la mise lui inflige en chaussant 33. Enfin bref, il n'est pas que débonnaire, au trivial poursuite, c'est un vrai dictionnaire. Quand il fait la mouette, c'est pour mieux cacher qu'il aurait pu écrire ce le Diderot d'Alembert. Claudius sac à puce, refais-nous la bougie, que fait un enréno avant de t'endormir? Que fait un enréno avant de t'endormir? De t'endormir. Je ne savais qu'offrir à mon ami pompier, alors j'ai opté pour des pompes à ses pieds, afin de stopper le supplice des gaïchas que la mise lui inflige en chaussant en 33.